soit en Europe, que ce soit dans Copa América. Et d'abord, on a dit que dans le moment on a parlé là, gagné dans le groupe DA, dans la Coupe d'Europe des Nations, c'est la troisième journée dans le groupe DA. Et bien, il y a la France qui a joué avec la Pologne 0-0. Mathématiquement, la France est qualifiée. Et il y a un enfant qui marque dans le match la France pour l'heure, c'est que gagné Mbappé, nous connaissons qui a gagné un problème. Et Nelan, et bien, monsieur retourne. Et avec Masli et pour match ça. Et puis l'autre match qui est important encore, c'est Pays-Bas, la Hollande qui a joué avec Autriche. Et dans le moment où on a parlé là, Autriche qui a mené 1-0 sur la Hollande. Et puis l'autre match là, France-Pologne, est toujours 0-0. Donc ça, c'est dans le sport. Et nous connaissons que pour mon pays d'Haïti, nous connaissons que ce pays d'Haïti, c'est côté grand pile en pile fanatique Brésil. Et bien hier moun yo dormi mal hier parce que Costa Rica yon ti pays nan CONCACAF la, et bien li kebe tête teng en teng avec Brésil. Match a fini 0-0. Yon lot fait marquant et particulier dans match a, c'est que Vinicius superstar et Real Madrid là, et bien monsieur yo retiré monsieur nan match ça. Donc Brésil ben la fini 0-0, alors que grand pile monde qui tape, même yo tape du coup à combien goal que match là a fini, parce que yo te baille déjà le Brésil comme le grandissime favori tout pour compétition, mais nous t'a même dit le fait bec à tête devant Costa Rica et match là fini 0-0. En allant l'autre plus gros point qui a dominé actualité a, et ben c'est tout pays Kenya yo qui arrivait dans l'aéroport Toussaint l'ouverture la matin, il était vers zone 9h20, 9h30, et il y a un média qui a une précision qui dit à 9h23, il est arrivé, mais il y a l'autre monde qui a l'autre chiffre tout, mais c'est entre 9h20 et 9h30, et bien, troupes kenyans, ils ont même débarqué dans le pays d'Haïti, c'est dans le cadre mission, dans MMAS, là, c'est mission multinationale appui pour sécurité dans le pays d'Haïti. Donc c'est un vocabulaire que nous avons Begonia, MMAS, mission multinationale pour appui sécurité dans le pays d'Haïti. Donc tout peut arriver et nous capables, mais il y a des médias qui publient, la Voix de l'Amérique, tout, publier les messieurs qui étaient Nairobi, qui étaient Kenya. Et yo te a bo avion, te capable ou nan avion, kap pran photo. Mais c'est avec yon joie que nous wè monsieur débarqué. Et nous wè monsieur nan avion. Lè yo débarqué avec drapeau pays Kenya. Et yo chante tout nan lè arrivé à Yopoa. Donc, c'est yon premier contingent. Ça veut dire yon premier groupe qui vini. Et nombre là c'était 400. Et nous te capable ou président Kenya. Et William Ruto, qui lui-même t'a rencontré monsieur avant que yo quitté Kenya pour yo rentrer en Haïti dans cadre mission yo dans pays d'Haïti. Donc l'arrivé dans l'aéroport, après ça, bon, journaliste pas gain accès que journaliste pas gain, mais monsieur yo ou bien troupe yo même qu'on y allé dans et base côté que yo quitté pour yo. Et pour qu'on gagne une déclaration, gros déclaration qui fait concernant ça, nous-mêmes, n'a pas essayé de joindre et ça pour nous. Donc, c'est comme ça la situation. Il y a gagné plusieurs déclarations qui fait. Par exemple, gagné Matthew Miller, qui est porte-parole département d'État américain, qui dit, c'est un premier parmi plusieurs étapes importantes pour rétablir sécurité et prospérité dans le pays d'Haïti. Et M. Miller dit, mission historique que Haïti t'a demandé et que Conseil de sécurité de l'ONU t'a autorisé, et bien vraiment, c'est un effort international. C'est une façon pour le dire que c'est pas seulement Kenya, même si Kenya est en tête, mais il y a l'autre pays qui a pu coller. Nous connaissons Kenya, lui-même, il t'a proposé 1000 policiers, mais en attendant que l'ivoire 400 d'après chiffre. Et M. Miller continue pour le dire, nous espérons ouais, amélioration mesurable vis-à-vis sécurité, surtout par rapport à accès et à assistance humanitaire et activité économique essentielle. Ça pral aider Kenya et aider créer conditions à sécurité nécessaires pour élection libre, honnête et démocratique faite dans l'avenir. Donc ça c'est parole Matthew Miller qui c'est porte-parole département d'État ici aux États-Unis. Donc c'est réaction le il était confirmé pour nous que eh ben
et troupes Kenya yo vraiment quitter Kenya pour rentrer dans le pays d'Haïti. Donc c'est une situation qui est très spéciale parce que dans le moment que Kenya et voyez troupes yo, eh ben tête chargée dans le pays Kenya. Tête chargée depuis quelques jours côté que gen yon paquet de manifestants un peu partout dans Kenya qui protester contre une loi sous budget. Et la DEOG est plus jeune, et monsieur le président Kenya, lui-même, William Ruto, il a participé à une cérémonie religieuse, il parlait, et lui-même, il dit que il félicite les jeunes parce que il voit que les jeunes ont pile fougue, ils ont pile énergie, et il bat bravo pour ça. Mais en attendant, ces manifestations anti-gouvernementales, j'avais dit contre le président William Ruto. Et président Ruto lui-même et bon l'a joué l'a fait le jeu de la communication côté que eh ben il pas ignoré ça qu'a fait là côté que il même félicité de ce que yo gagne en pile neige et jodi a bagala bala mangomé gen 5 moun qui mouri gen plus passé une trentaine de moun qui blessé côté que manifestants yo rentré avec fracas et yo mettre du feu dans yo rentré dans parlement donc yo fait bah tête chargée donc en attendant bilan c'est jusqu'à présent, eh ben c'est 5 personnes qui mourent et une trentaine de l'autre blessé. Il y a un chiffre qui baille 31 personnes qui t'a blessé. Donc, c'est pratiquement la situation entre Kenya. Kenya a dominé l'actualité. Premièrement, premier contingent arrivé dans Port-au-Prince et dans l'aéroport de l'ouverture là. Et il y a déjà qu'on y a pral. Et il prendre le logement dans la base qui était aménagée pour yoa. Et c'est comme ça, d'après correspondant nous sous place, qui fait nous connaître ça. Et puis pendant ce temps, dans le pays Kenya, même dans la base là, au Kenya, et ben, pas seulement dans Nairobi, nous dit Nairobi parce que c'est là gagner des institutions régaliennes, notamment le Parlement, et ben, nous dit ça, mais c'est pas seulement dans Nairobi, c'est plusieurs côtés de la capitale à côté que. Ils ont entré dans le Parlement dans le moment que le parlementaire a discuté sous loi budget. Ça. Et ça, ils ont demandé eux-mêmes, les manifestants ont demandé pour rentrer loi budget, loi sous finance que le gouvernement ou toi mettez dehors. Donc, en attendant, pour le moment, c'est ça que nous gagnons comme information et sous question force multinationale pour appui sécurité dans le pays d'Haïti, qui commençait avec le premier contingent. Ça. L'autre fait nous capable signaler, ben regarder score match toujours. Match a toujours 1-0 bon côté Autriche avec Pays-Bas, Autriche qui 1-0 sous la Hollande et puis 0-0 entre la France avec la Pologne. On retourne encore dans l'actualité que nous t'es capable ça nous capable signaler pour c'est que vendredi cap vin là, c'est pral 27 juin 2024 et pral gagner et premier débat dans quatre élections présidentielles qui viennent pour dérouler 5 novembre cap vin là ou bien 5 novembre 2024 là et ben jeudi pour le premier débat entre ancien président républicain Donald Trump et président actuel la président démocrate Joe Biden et grand pile gros sujet déjà qui est déjà paraître dans l'actualité notamment question avortement notamment question politique internationale et par rapport à que et financement soutien pour Ukraine et pour Israël tout ça pral nan et puis sans oublier question immigration donc rendez-vous c'est vendredi qui pral 27 juin pour gros débat entre deux représentants deux principales partis pays en parlant de parti démocrate là et parti républicain et puis yon l'autre gros nouvelle encore c'est fondateur WikiLeaks là en parlant de Julian Assange, qui lui-même conclut un accord avec le gouvernement américain, et côté que le pral plaide coupable pour ça, il était reproché là. Et faut dire Julian Assange, il était reproché de ce que il était exposé au grand jour. Documents qui étaient cachés, bien cachés, et bien, monsieur était exposé au grand jour depuis 2010, et puis il a gagné 700 000 documents confidentiels. Que qui a rapport avec activités militaires et diplomatiques américaines notamment en Afghanistan, en Irak. Donc monsieur mettait tout bagage ça au grand jour. Donc c'est ça qui fait que eh ben il tape américain t'a poursuivi pour ta même et fait entrer aux États-Unis.
Mais qu'on y a là, dans le moment où on a parlé là, eh ben, ça crivé, c'est que M. Frère, on deal avec le gouvernement américain, côté que le pral plaide, lui-même l'a plaidé coupable, et que qu'on y a, le pral gain pour aller devant le tribunal, et normalement, on t'a supposé condamner à 62 mois prison, et 62 mois prison, c'est que M. Tab toujours une liberté pour le retourner en Australie, nous connaissons son natif natal, pays Australie. Donc, M. Tab capable lui-même retourner en Australie, il finit payer parce que 62 mois, il passe déjà dans la prison et que donc il t'a vu pratiquement libre. Il y a une pile réaction qui fait sur ça, notamment et avocat là, qui est le France, je me prononce bien, Franceinfo Antoine Veil, je vais me répéter encore, Franceinfo Antoine Veil, qui c'est avocat Julien Assange, qui dit que, eh bien, quel que soit Jean Saïe, comme se plaide coupable ou pas, eh ben le fait que le bras joue liberté, c'est ça qui est plus important pour lui. Et il dit que le client n'a qu'on y a capable de lire livre que le voulait, il est capable de manger que le voulait, il est capable de dormir Jean le voulait. Donc pour eux, c'est un gros victoire. Donc pratiquement, monsieur a plaidé coupable avec la justice américaine et l'a joué de liberté. Et après, il passe 5 ans en détention provisoire dans le Royaume-Uni. Donc, c'est une grosse nouvelle qui gagne pour l'activité internationale. La. Et puis, gagne États-Unis qui a parlé de l'autre enveloppe 150 millions de dollars pour l'Ukraine pour continuer à gommer avec pour réagir ou bien par rapport à l'invasion pays la Russie. Et puis, dans la région Moyen-Orient, c'est toujours même inquiétude ça que autorité européenne et autorité américaine ont gagné pour vraiment que Liban pas tourner yon deuxième et Gaza parce que l'armée Israël a mené des combats sur plusieurs fronts, notamment Gaza, notamment li gen Rafal di pou Ratibouaze Rafa, et puis tout gen Liban en parlant de l'apgoumé avec monsieur Hezbollah. Donc, autorité américaine, autorité européenne, ils ont même dit que pas tant un deuxième Gaza. Et nous étions dernièrement là, t'es gagné secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, qui lui-même t'a fait même déclaration. Il dit que le pas tant un gagné un deuxième Gaza encore dans la même région. Et c'est crainte en pile et autorité pour pas gagner une escalade violence, eh ben, dans la région. Et match a toujours, match France et Pologne a toujours 0-0 dans 44e minute de jeu. Et puis la Hollande contre Autriche et Autriche toujours a mené 1-0. Et donc match a c'est consacré lié et faut dire que la France lui-même, lui, on tient presque bien chita parce que déjà, il est déjà qualifié. Donc en gros, c'est ça nous gagne pour comme information. Et donc, pas oublier, premier, plus gros information, par exemple, pour le pays d'Haïti, c'est définitivement, c'est troupes pays Kenya, yo, premier contingent qui arrivait dans le pays d'Haïti matin, là, vers 9h30, comme ça, qui arrivait dans l'aéroport Toussaint Louverture. Nous avons plusieurs correspondants sous place, et capable de nous toutes dernières informations. Nous avons rendez-vous notamment à 4h pour rendez-vous info, mais nous capable toujours consulter nous. Et ou capable toujours consulter nous et sur l'autre plateforme que nous gagnons et notamment dans le moment où on a parlé là gagne correspondant nous et Massado Vilmé qui sont intervenus dans ce qui passé à Haïti, programme radio que nous gagnons qui passait entre 12h30 et 1h et n'a gagné tout monsieur dame ça pita encore dans rendez-vous info côté au pral dit nous qui dernière information que yo gagné pour nous. Donc, troupes arrivées dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince, et puis, pendant ce temps, il y a un gros déblosage dans Kenya, côté manifestation à fait, ils ont entré avec fracas dans le Parlement, ils ont demandé pour eux suspendre question loi sous budget, et nous sommes parlé de Julian Assange, et fondateur Wikileaks, là, qui lui-même, je vous dis, il est presque pour le joindre et liberté, parce que il prend le gain pour la longue île là, pour la dit que les plaider est coupable pour accusation que les États-Unis retenu contre lui. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Donc restez branchés sur VOA Créole sur toute plateforme nous pour capable gagner dernière information qui
a tombé concernant actualité auprès de vue international et actualité concernant pays d'Haïti même peuple là. Donc nous étions nous-mêmes n'a bon nouvelle dans bon timamite nouvelle côté que nous pas pral dire après nous excusez nous est-ce que nous t'es bon yon nouvelle qui pas fin. OK, donc en gros c'est ça n'était gagné pour et match a toujours et match arrivé dans 45e minute de jeu qu'on y a. Donc ça veut dire premier mi-temps fini, yo bay 1 minute arrêt de jeu dans match France Pologne là, et puis 2 minutes arrêt de jeu dans match la Hollande contre Autriche là. Et donc et tête chargée en pile boule et hier nous connaît que Brésil perdu 0-0, fait match 0-0 avec Costa Rica. Donc pour un pile monde c'est une défaite. Pas bon, m'occuper. Papa est connu là. Donc, ici, on a des grands problèmes qui sont là. Mais moi-même, tout le monde, si ils sont pas bons, on va continuer. Donc, messieurs, que nous disons que s'ils sont bons ou pas, on va continuer. Parce que si nous attendons bien, on va continuer. Donc, même barème qui a fait là contre son connaissance, son problème technique lié, je vais contrôler sur lui. Donc, fais-moi connaître si son bon et dis oui. Ok, que tout le monde dit oui, c'est que je garde avec lui, mais l'actualité est assez justement. Et ça, les congrès ou bien encore les rencontres que le Premier ministre a gagné, c'est une sorte de réunion et que le Premier ministre a gagné avec le gouvernement, ou il y a 4 jours. Pour de discuter consigne ça que le membre gouvernement fait et qui s'arrête l'attendu. Ça, c'est ça, les feuilles de route que le Premier ministre pourra exécuter, qu'on a pu dire qu'il s'attendu dans le jour qu'à venir, etc. Donc, rencontre ça a été déroulée vendredi et samedi. Donc, il y a un bail, qu'on a les bols en mer avec eux, on a un hôtel qui bol en mer. Donc, parfois, ça n'a pas de aller bon, pour raison de sécurité. Donc, le Premier ministre a un problème de sécurité tout. Donc, il parle de question de monde qui n'a pas de travail. Donc, il y a un appel qui a pensé pour dire que l'autorité a bien réfléchi. Il a parlé de monde qui n'a pas de travail. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, tout simplement. Ce n'est pas pour nous exprès le faire, c'est parce que tout simplement, il y a un cas qui a dit qu'il n'y a pas de travail ou bien insécurité dans la zone. Il fait que le cas, il y a un autre cas. C'est côté mon travail là, même qui a une sécurité. Par exemple, un monde qui travaille dans le bureau premier ministre dans la zone bicentenaire, mon qui dans le ministère qui ont même pas même existé encore parce que insécurité dans la zone fait que ou bien encore mon occupé local là, etc. Donc donc il y a un monde qui a pris sa appel pour dire il faut que les responsables prennent plus de précautions. Il n'y a pas eu de monde qui pas venir travailler ou bien après le absentéisme. Il y a des absentéistes volontaires, tout, il y a des absentéistes, ce n'est pas exprès. Il est probable qu'il y ait des gens qui parlent de travail alors que les gens sont dans le pays étranger.
moun sa, ou bien li la nan pays al pa al travay, alors que kondisyon sekirite, gen moun tout ki oubye kite la kayo, ki retounen nan pays yo, da yi ke nan vil natal yo, parce que problème insécurité on voit ça tellement grave pour lui, moun nan pa ka bay, moun nan pa ka risque la ville, gen moun se ale, pa ka ale, tout simplement pour problème insécurité. Donc on paquet de problèmes qui pour résoudre. L'autre question c'est question tout Kenya yo. En fait nouvelle qui sorti dans Nairobi fait qu'on est que d'abord que autorité ont nommé un nouveau commandant pour mission même qui va aller en Haïti et d'après toute nouvelle qui sorti dans Nairobi eh bien Tadou gagné Tadou mission ça Tadou quitter Kenya demain. Donc dès demain il a de commencer à arriver en Haïti. Donc c'est ça qui dit mais étant donné qu'il était toujours et renvoi qu'après des fêtes, renvoi qu'après des fêtes, soit fait mission, donc il y a un peu de difficulté, mais pas fini quoi que vérité. Mais il semble que fois ça, c'est tout bon vrai. Et en fait, c'est une décision qui prend tour après dernière annonce que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait récemment pour contourner le Congrès, nous rappeler le Congrès et surtout républicain est bloqué et assistance ou bien l'argent que vous avez pu bailler. Pour mission 1, eh bien, et dernièrement, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé que eh bien, et le département d'État lui-même a bâillé plus de 100 millions de dollars pour mission ça. Le Canada qui est déjà apporté, la France a bâillé, l'autre pays qui est censé bâillé, et le pays tout a contribué à la mission. Ça veut dire qu'au moins comme ça que le département d'État bâillé, qui est en garantie, c'est peut-être moyen qui motive l'autorité kenyane pour mission à démarrer. Donc selon tout ça qui dit, eh bien, mission Tadoué et arriver en Haïti à partir de demain. Donc, son mission Capriffé graduellement, c'est-à-dire que ce n'est pas tout groupe la Capriffé, ce n'est pas un groupe qui a privé, sont plus établis, et puis il y a tout équipement que les assemblées que Kenya a besoin pour travailler la capable faite, et bien, l'équipement ça a gagné tout sur place. N'attend seulement simplement. Donc, les conditions, la police nationale a gagné actuellement un nouveau directeur, c'est Normi Dramo, qui retourne dans poste encore. Donc, M. Saïd depuis samedi, et M. est participé ensemble avec le premier ministre dans le premier, ça dans les premiers, et première réunion au niveau, et au niveau conseil national, conseil police nationale là, ensemble avec le ministre de justice là, donc, M. est président, donc, seulement, il y a un problème, question. Sécurité a été discutée dans la rencontre ça et qui est capable de faire Haïti reprendre droit encore, c'est-à-dire que pour l'État de droit retourner, pour que l'autorité reprenne droit encore, c'est-à-dire que Haïti peut être autorité légitime et légitime, donc ça veut dire besoin de reprendre tout le bazar. Donc c'est autant de questions qu'à bail, et puis voilà. Et nous avons fait mois de juin, donc mission 1. Que le Conseil de sécurité nationale a été voté pour le débarquement dans un an, ben, pratiquement, ça a pris fin dans à peu près une semaine, dans le commencement du mois de juillet. Donc, il y a une question à poser, est-ce que les Nations Unies, après avoir voté pour la mission, pour prolonger la mission, ben, l'autre année encore, parce que l'EFBA a été faite là, entre temps, un paquet de bail qui passait, la mission par exemple, qui a pris un pivot, la mission par exemple, qui a lancé tout, il y a une question pour te signer un document, pour te signer au point de vue légal, etc., tout bas, ça peut être fait. Finalement, ça a fait Kenya, autorité haïtienne a visité Kenya, et Kenya a été voté en mission fact-finding, c'est-à-dire une mission de reconnaissance en Haïti. Et puis, vendredi, et autorité haïtienne, c'est représentant Haïti dans l'OEA, qui signe avec l'ambassade de Kenya en Haïti, aussi un document, qui probablement le dernier document qui est de signé, mais ça a été fait vendredi, dans Washington. Donc, vous avez l'ouvrir pratiquement, tout le bas, tout handicap qui est nécessaire, tout handicap ça, il est censé passer. En tout cas, moi, je suis ici, là, comme je dis, je parle surtout de questions et élections. Élection aux États-Unis, et d'abord, il y a un premier débat, un série de débats qui vous fait. Et c'est le premier qui a fait. Et c'est pas jeudi, et entre président sortant, on a parlé que Joe Biden avec ancien président américain et Donald Trump, sous ancien président Donald Trump qui débat ça, mais. Et son débat en pile, on n'a pas tant de questions capables de figurer dans le débat. Ça, question immigration, question par exemple condamnation que le président Donald Trump a condamné récemment dans New York à cause de l'argent qui a fait avec elle
et bien pour acheter silence ça, et bien tribunal a été joué, le jury a été joué que était coupable de 34 chefs d'accusation, et bien il y a une question à poser, est-ce que question ça doit faire partie des débat ou bien est-ce que le président Biden doit utiliser ça pour faire partie des débat pour la patate. En tout cas, le président ancien président qui a participé dans un meeting de masse et dans Philadelphie pendant le week-end, là, et bien il était lui-même, il dit qu'il parle en appel avec question ça lui-même. C'est bon, question pour encore discussion, mais il était fait public là qu'on est que position le tout sous dossier immigration. Il dit que le premier jour que les films remportent l'élection, le premier jour les films prêtent serment, et bien premier action la poser, c'est commencer ça avec une opération déportation tout le monde qui vit aux États-Unis illégalement. Donc l'idée à dire déjà, et il n'y a pas un cas de sentiment pour le dire, parce que l'Iran démocrate est responsable de la situation de sécurité qui se frontière. En fait, il y a une porte-parole, M. Mitch, qui est lui-même, qui est un vice-président de campagne pour réélection du président Biden avec Kamala Harris là, et bien il était dans la chaîne de télévision NBC, Mille de Presse, et bien il dit que le problème frontière a existé depuis longtemps, c'est pas eux-mêmes. Le problème a existé depuis 20 à 30 ans, et la première action que le président Biden a fait en 2021, après qu'il a fini et prêté serment comme président, et bien la première action qu'il a posée, c'était voter un projet de loi sous réforme immigratoire, mais il dit que le projet de loi, le président et la République étaient près de la gueule dans la poubelle, donc il n'y a pas de faire rien avec, donc il n'y a pas de prendre les responsables, je veux dire, parce que il n'y a pas de nécessité pour une réforme qui fait. C'est vrai, il dit tout que la République eux-mêmes, en tant que, ils ont déjà fait ça, pour faire déjà, le président Biden a pris deux décrets d'abord pour limiter la quantité d'immigrants qui viennent demander asile sous frontière, sous prendre entrée de façon légale, et il prend l'autre décret tout.